ça y est pas à l'idée. Tu vois, ça, il se donne un sobé. Ok. Il n'y a pas à l'idée, il se donne si là, na belle vie. Exactement. Si quoi, yo, na niveau, na yen, na yen, il peut faire valoir les prouesses de Fally. Okay. C'est la démocratie. Exactement. Mais il n'a pas le droit de venir dénigrer Ferré. C'est ça. Tout le monde. Parce que Ferré a consulté Rayeté. Ok. Ferré ne calcule même pas Fiston Saïsé. C'est ça. Parler de Fally, c'est bon, mais ne venez pas toujours dénigrer Ferré. Okay. Plusieurs sièges, il y a l'Organisation internationale dans la Suisse. Ok. Mais Ferré a inauguré Suisse. Ok. Il a créé un chemin pour tous les artistes congolais qui viendront après lui. Babette en Suisse. Et puis, tu rappelles-toi, l'homme blanc a créé pour Ferré Gola. Ferré Store. C'est ça. Ferré Shopping. Ouais, ouais. Toute une maison, tout un magasin en plein Paris pour Ferré Gola. C'est une première dans la musique. Et puis la maison a été délogée, délocalisée de Paris, Tine, à Genève. Justement pour que Batba. Vous comprenez? Et puis Ferré a sali sold out dans le sol français dans 4 jours. Ok. Dans premier jour, il y a l'idée, ça arrive. Alors, bienvenue à tous et à chacun, mesdames, messieurs, vous qui suivez Afrique Centrale Télévision, heureuse de vous retrouver très nombreux en train de nous suivre en ces nets moments sur Afrique Centrale Télévision, Équilibre Télévision, les deux chaînes partenaires qui ont déjà pris l'habitude de vous accompagner avec des belles émissions. Naomi Herba, je suis à la présentation de cette émission. Likez la vidéo, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonné dans nos chaînes. En tout cas, activez la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous allons publier nos différentes vidéos, que vous recevez comme ça de messages. Je dis merci. Merci à Francis Mavim Pilero dans l'ombre, moi la moba à l'Okolo Pépele depuis Orléans en France. Un grand merci comme ça à Papa Kijambaki depuis Londres, Papa Lami Lamba, mon papa depuis Londres. Je te salue. Les boss Junior Ngimbi, véritablement à Londres. Mbote Nayo, bon séjour en tout cas dans Mboka Yabakoko. Mbote Nabato, tout Balingranomi et Yababuk. Salutations à mon partenaire anonyme depuis quelque part en tout cas. Beaucoup d'amour pour toi. On va parler actualité avec Jérémy Lemba qui est mon invité du jour. On va essayer. Il y a Kozonga, la mauvaise sortie médiatique, il y a Batou. On va aussi essayer d'analyser la production de Fally Ipupa Oyo. Et là, vraiment, Kolobangapi Nakati, il y a Internet. Chacun de nous est en train de faire son analyse par rapport. Il y a Ndenge, il y a Kompona qui topé à Monaki. On va essayer aussi d'en parler dans cette émission. La sortie médiatique de Marius Munga. On va essayer d'en parler. On va parler de beaucoup de sujets. Kofi Olomide qui a été aussi convoqué à niveau à CSAC. Aujourd'hui, il a répondu à l'invitation et Kofi Olomide a essayé de parler. On va commenter aussi son discours tout au long de cette émission. Jérémy Lemba, bonjour et bienvenue dans l'émission d'Abissou. Merci beaucoup Naomi Yaba, merci à toute la communauté qui nous suit sur votre chaîne. Merci encore une fois pour l'invitation, en tout cas on est disponible. Bonne santé. Santé ça va, un peu stressé, mais par la grâce de Dieu, on tient les coups. Voilà. Alors, merci beaucoup Jérémy Lemba. Sans plus tarder, na lingito mekano kozonga na oyetali bongo convocation ya Kofi Olomide parce qu'il a été convoqué na CSAC après son interview avec notre confrère journaliste Jessica Bassele où il était en train de nier le fait qu'il existe une guerre na Est et République démocratique du Congo. Pour Kofi Olomide, la guerre n'y est pas. La guerre, c'est plutôt na niveau ya Ukraine na Russie parce que là-bas, il y a quand même biloko eza visible. Mais nous, à Kinshasa et plutôt en RDC, c'est plus nous qui sommes tués, c'est nous qui pleurons, c'est nous qui sommes en tout cas à malmener. Alors pour lui, la guerre n'existait pas puisque pendant la guerre, on ne peut non plus changer le ministre de la Défense. Alors il voudrait savoir pourquoi ce ministre a été changé. Donc du coup, il a dit que non, Azalaki, bon, on a doute si à Kolobake, guerre est à Namboka. Analysons d'abord le propos de Kofi Olomide qui aussi avait fait l'objet d'une convocation à niveau de CSAC. Voilà, merci beaucoup pour cette question. L'isola Kofi, bon, et je suis en pleurs, hein. Dossier, je suis en pleurs parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de guerre au Congo, nous sommes frappés, nous sommes giflés. Okay. Bon, ils ont un style, figure de style, hein, okay. Où il a utilisé qui, dans le langage naïe. C'est vrai, vous savez, Marama Congo, on a beaucoup à parler. Exactement. Mais parfois, tout banga Ramibeko. Tout banga comme instance judiciaire. Okay. Mais Kofi, au moins, étant qu'ambassadeur culturel, leader d'opinion, un artiste international, concernant sa patrie, sa nation, son pays, et, Monique, les hommes politiques parlent. Okay.
régulièrement dans des émissions télévisées. Mais au Kofi Alobi, ça résume tout. Hein. C'est ça. On suit régulièrement les débats politiques. L'agression, la guerre nous est imposée, la rébellion, et tout ce qu'on sort. Mais mon phrase à Kofi, il n'y a pas de guerre en RDC, nous sommes giflés. Okay. Et ça, c'est un peu dur. Bon, il est responsable de ses propos. Okay. Il a été invité par les CESAC pour que, à répondre à ma question, au Batounié. Bon, il est sorti librement. Hein. Oui, oui. Les gens pensaient que Kofi était arrêté, mais là, il est rentré, je crois. Parce qu'on lui avait demandé de présenter ses moyens de défense. Aujourd'hui, Kofi Olomide dit, pour une personne peut-être publique, il faut savoir parler avec un langage diplomatique. Donc, ce qui a manqué peut-être dans son langage, c'était des côtés diplomatiques. Bon, Kofi Azara, déjà l'homme des sans tabous, hein, diplomatique ou pas. Mais dans d'autres sujets, ça pouvait aussi passer. Ce n'est pas assez grave. Alors, Jérémy Lemba, aujourd'hui, peut-être, Kofi Olomide a fait l'objet. Il y a un dossier à niveau, c'est ça, comme Sotobito Kende, Nanenge, il y a logique. C'est comme si on est en train de faire taire Batou. On dirait que la liberté d'expression n'existait pas. Puisque Sotobito a analysé Penza Malamu, à propos de Kofi Olomide, quelque part, il a raison. Puisque le chef de l'État lui-même, lors de la campagne, naïe à l'obaki que cette fois-ci, ce qu'a eu mandat, dans moindre escarmouche, la guerre sera réclamée. Donc, tant que escarmouche, on a bombardé Mboka na Est na Bisokuna une grande partie à battu à côté à Yagoma Bakoufaki. Alors les gens attendaient maintenant que le chef de l'État a déclaré guerre. Mais jusque là, le chef de l'État ne s'est pas prononcé. Alors tout le bac est guerre et ça. Pendant que lui-même, le chef de l'État, le bac n'a moindre escarmouche à redéclarer guerre. Mais jusque là, la guerre n'a pas été déclarée. Alors que la guerre n'a pas été déclarée, Kofi Olomide a quand même raison de dire qu'il n'y a pas la guerre. Maman, dossier à la justice, ici je ne peux pas attribuer des raisons tornes à Kofi. Ok. Vous savez, quand on gère, on est jaloux de son pouvoir. Okay. Vous savez, donc c'est comme ça. Quand on gère, quand on dirige, on est jaloux de son pouvoir. Okay. Alors, Lucelo Kofi, cette fois-ci, a touché le sommet. Okay. Parce que dossier à guerre, l'intégrité nationale, ils ont rappelé un dossier secret. Okay. Les secrets d'État. Secret d'État. Alors, côté non lobby de Kamouya, liberté d'expression, liberté d'opinion, ils ont un peu menacé. Mais qu'est-ce que c'est ça qu'a fait? Il lui a juste rappelé, peut-être par erreur naïe, pour que prochainement à éviter, peut-être motivation à l'inimité. Okay. Vous comprenez? Donc, parce que quand les Rwandais vont suivre les messages de Kofi, ils diront quoi? Voilà, même un Congolais là-bas a compris que Bissau Rwanda, nous sommes forts. Toujours giflé Congo. Okay. Et ils ont la façon de belé. Cela peut déjouer sur le mental, même un militaire. Okay. Vous comprenez? Donc, ça demande aussi une certaine sagesse. Okay. Mais Torolingate, c'est ça qu'il y a présent Christian Boussembe, qui est notre confrère journaliste. Okay. Et comment c'est ça que Moko, Oyo Eko Banda, Ko. Qu'on bafouait liberté d'opinion, d'expression dans Mboka Nabissou. Exactement. Là, nous allons encore reculer en arrière. Parce que nous sommes sur une bonne voie, sur la voie de la démocratie. Et nous devons consolider cette voie. Donc voilà, je crois que Kofi, quelque part, a lobby. Mais est profité de l'ennemité. C'est ça. Tout le monde est un peu avec réserve. Parce qu'il craignait que nous sommes giflés par les Russes. Ok. Tu vois, hein, le mental et joueur rapidement ok. Voilà, nous sommes joués par le riche, et rejoués dans le mental. Mais ce qui est vrai, le Congo est un grand pays, le Rwanda, un petit pays. Un petit pays qui nous impose toujours la rébellion, parce que c'est nous qui les guerres. Voilà. C'est les Congolais qui plairent. Parce que le Rwanda n'est pas seul. Ouais. Derrière le Rwanda, se trouvent plusieurs puissances du monde. Okay. De Batouba Sangani, Bapé sur Rwanda Force. Pour que a redéstabiliser Congo et enfin bango ba multinational ba ya piller nos propres richesses. Donc les mal en est aussi que nous Congolais tous avons un problème parce que le premier Congo, le Congo a un problème d'homme. Romain est Congolais mais il se trouve parmi les M23. C'est ça aussi. Quand il y a ba FDLR, c'est ça aussi les grands problèmes, tu vois. Le président n'est pas un magicien, lui il va se battre, il va mettre ses moyens, son intelligence. Il va mettre son énergie. Et après,
les véritables ennemis à Congo, ils sont congolais. C'est congolais lui-même. Donc, au moins, ancien président Seni, Corneille Nanga, mais qui devient chef d'un groupe de milices. Au moins, c'est ça la marque à Congo. Exactement. Un ancien dignitaire, un grand fonctionnaire de l'État. Okay. Et après, il vient combattre son propre pays. Exactement. Donc, ce sont des choses comme ça que nous déplorons, que nous décourageons avec beaucoup d'énergie. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, il faut déjà aussi signaler que notre confrère Jesse a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Donc, justement, à cause de cette émission qu'il avait faite avec Kofi Olomide. Mais ce que nous savons, c'est que le propos tenu n'engage que son auteur. Alors, Jérémy Lemba, entrons maintenant dans où est allée culture Yamboka Nabiso. On a parlé de ses concerts avant même sa tenue et ça y est lié. Et là, qui le week-end dernier, le 6. Alors, nous n'avons pas eu le temps d'analyser ses concerts, moi et toi, ensemble. Soit qu'il y a eu le concert, il y a Fali Biso, tout dans Moussika. Comment est-ce que vous avez trouvé les concerts? Si vous allez peut-être en... Bon, d'abord, courage à l'artiste Fali Poupa, parce que beaucoup espéraient à l'annulation de cet événement. Okay. Les gens pensaient que ces deux concerts, il y a Lyon à Bordeaux, vous allez annuler. Okay. Mais jusqu'au bout, l'homme s'est battu malgré la configuration à salle d'acquis réduite. Ah. C'est ça que les gens ont observé. Parce que ça, la 16 000 places. Aujourd'hui, image, on a un concert, il y a Lyon Fali. Aujourd'hui, image, il y a un concert, il y a Adidas Arena, il y a Ferry. Aujourd'hui, on a Adidas plus vaste que LDC. LDC, c'est ça. Aujourd'hui, vidéo, il y a Adidas Arena, au tient à gauche. Aujourd'hui, il y a Lyon Fali, au tient à droite. Au Taliba vidéo, au moins la salle où est ferrée est plus vaste, plus grande que par celle où est lieu. Il y a par rapport à 16 000 où est Fali. C'est ça. Alors les gens ont compris que c'est comme si les mots d'ordre ont été respectés. C'est-à-dire, bah, tu sais, bah, rideau pour essayer un peu de supprimer le deuxième niveau. Selon ce que nous sommes en train de constater. Alors, si c'était le cas, je pense que l'artiste Fali Poupa est en perte de vitesse. Ah, bon. Il doit vraiment se réorganiser. Parce que ça ne sert plus à rien de faire beaucoup de choses à la télévision, impressionner, se faire voir. Mais il faut sukoyo atteindre la place à Outi, na iskazo kende. Ok. Parce que c'est maintenant que les challenges ont commencé. Exactement. Il y a des grands défis qui les attendent en 2025 et 2026. Parce que ceux qui n'ont pas ça, ils ont 15 000 places, 16 000, 12 000, 11 000. Nos artistes et musiciens commencent à tricher. Quand ça va rideau, et maintenant, sur le petit sucre, basta de France, ils ont la chaotique. Exactement. C'est ça le risque. Exactement. Et il fallait au moins avoir la chance de faire You Arena bien avant. Il a eu au moins 32 000 personnes. Parce que c'était à peu près 40 000. Exactement. Les Parisiens nous ont dit qu'ils avaient 34 000 personnes. Il a eu la chance, tant qu'à lancer le calendrier Arena. Il y avait l'engouement. Okay. Mais actuellement, depuis que Ferry contrôle l'Europe, on dirait qu'il fallait qu'on soit un peu coincé. Mais Ferry contrôle l'Europe, Jérémy Lemba, vous dites comme ça. Mais Ferry a fait des choses. Okay. Ferry a bâti en Suisse. Aucun Congolais a livré un concert dans une salle mythique, le rôle à Genève Arena. Voilà. Okay. C'était une première. Okay. Suisse est un pays mort fermé. Beaucoup d'intellectuels, plusieurs sièges. Il y a une organisation internationale en Suisse. Okay. Mais Ferry a inauguré Suisse. Okay. Il a créé un chemin pour tous les artistes congolais qui viendront après lui. Babette en Suisse. Et puis, tu rappelles-toi, l'homme blanc a créé pour faire égo la Ferry Store. C'est ça. Ferry Shopping. Ouais. Toute une maison, tout un magasin en plein Paris pour faire égo là. C'est une première dans la musique. Et puis, la maison a été délogée, délocalisée de Paris, Tine, à Genève. Justement pour que Batba vous comprenez. Et puis faire à ça les sold out dans le sol français dans 4 jours. Ok. Dans le premier jour, il y a Lida Sarina. Ok. Donc faire a marqué Europe. Et puis à Betty, dans le festival Couleur Café, okay, à Bruxelles, devant le blanc. Alors, il faut tous à la culture, il y a à promouvoir nos artistes. C'est ça. De dire aussi la vérité. C'est ça. Moi, je suis vraiment dans les regrets de remarquer qu'aujourd'hui, il y a des chroniqueurs. En fait, nous sommes en train d'assister à un groupe de chroniqueurs corrompus et puis complexés qui viennent défendre qu'un seul artiste. Netina. Mbazé Belé. Ok. Beaucoup. On m'a dit, grand frère, Nabissé Belé,
que nous avons suivis dans la radio, okay. dans la télévision à l'époque, aujourd'hui là, sont perdus. Sont perdus. Sont perdus, sont nuls. Ok. Tu ne me dirais pas que ce sont des modèles. C'est ça. Parce que pour être un modèle, il y a des critères aussi. Exactement. Et on a la balle, on a la balle pendant 17 ans de carrière. Mais à la fin, on dit, ah, ce n'est pas une légende. C'est ça. Pour être une légende, il y a des critères. Il faut avoir quand même le temps d'impacter la génération et qu'on sort. On a suivi des gens, tout à l'heure, le Lomoni, Joka, Kabengele, sont dénigrés parce que. Bah, mais peut-être respecter. Ouais, ouais, personnalité là, bah, on va confier comment. Marie Soumon est venu parler de trois dimensions. C'est ça. Et il dit que la troisième dimension. Dimension scientifique. C'est la dimension scientifique ou intellectuelle. Là où vous allez remarquer qu'un artiste est très loin que l'autre. Il parle de phallie en se camouflant pour dire qu'il est plus loin que l'autre. L'autre, c'est ferré. Yemoko, il parle de trois dimensions. Et en ce moment, c'est la dimension scientifique. Mais en ce moment, la dimension sentimentale. C'est ça. Exactement. Parce que là, il y a pas de trois dimensions. Dimension, les bosso. À la congolaise. À la congolaise. Dimension sentimentale. Sentimentale, et là, scientifique. Scientifique. Lui parle de scientifique, mais en étant lui-même sentimental. C'est ça le plus grand problème, Jérémy. Vous comprenez? C'est ça. Donc, au Congo, nous avons un problème. Bah, le gars, Zachary, perdu. Bah Marie Soumonga perdu, bah Joka bah perdu. Du coup, bah c'est le rôle club des chroniqueurs de la culture corrompus, les complexés. Mais la jeunesse manque maintenant des repères aujourd'hui. Exactement. Alors Jérémy Lemba, restons d'abord dans le propos de Marie Soumonga puisque vous l'avez abordé. Quand on parle peut-être de la dimension scientifique. Musique et la dimension scientifique, est-ce qu'il y a une nuance? En fait, ce qu'il a dit là, il n'a même pas compris cela aussi. Il parle des choses qui sont... Et puis il a dit la dimension scientifique, c'est là où maintenant on va prendre ces deux artistes. Toti Kibango Libanda, Libanda JG. Non, et il a dit aussi que non, on prendra les éléments comparatifs pour bien faire, comment dirais-je, la comparaison. Mais s'il faut comparer Ferré et Fally, c'est ça. Détrompez-vous, Fally est un artiste et musicien. Ferré est un artiste et musicien. C'est-à-dire que les deux ne jouent pas de la même façon. Okay. Ils ont des styles différents. Il y a des qualités que Ferré possède que Fally ne possédera jamais. Okay. Il y a des choses que Ferré a que Fally n'a pas. Telles que la voix, le charisme. Parce qu'un musicien, c'est aussi le charisme. Ok. Donc Fally a un charisme. Non, quand je parle... Vous savez, Ferré est un bouddhiste. Ouais. Dans le bouddhisme, c'est le silence. Ok. Un bouddhiste, quand il prie, même si chez les voisins, là-bas, Abimarate. Abimarate. Quand il est comme ça, là, il prie, il est concentré. La doctrine en bouddhisme, c'est le silence. C'est le calme, c'est la tranquillité. La raison pour laquelle mon frère a comme trop spirituel, c'est que la valeur spirituelle. Frère ne veut plus trop parler. Il préfère faire des choses dans la simplicité et dans l'humilité. Jiba loba on a kala loba que chez nous c'est le travail et non l'influence aux médias. Nous avons des artistes qui veulent toujours se faire voir, impressionner les gens. Même monsieur mingi mona Congo. Maman na Congo mi sasa na mbonga nete. Ah. Bon monde. Oh, comment ça? Ndenge to rivaka ki etela na mbongo. Bamise bana ba mbongo ezaba maître Gims hein. OK. Ezaba o yonani maso en France. Non, c'est là. O en France c'est qui? Non. C'est lui qui gagne beaucoup de singles là. Non. Nino. Otali ndaku misé zo fanda. Ndaku otali char automobile. Otali ceinture et sécurité artiste. Otali ses proches mindele. Ah, maman. Dans le Congo, en fait, l'homme, le problème du Congo, c'est l'homme. L'homme congolais, aza très, très, aza impoli, aza arrogant, aza complexé. Et c'est pour cela que nous sommes en train de patauger dans l'imbécilité. Ok. La musique est un art. Tout respecter ma valeur culturelle en Mbokanabiso. Exactement. Le logo yembo fer, azo yembo na age naïwana.
c'est pas une chose facile. Hein. C'est comme Cristiano Azobeta Coupe d'Europe dans 39 ans. Tous les médias internationaux, bazo kamwa. Mais comment ça? Comment ça? Vous comprenez? Okay. On en parle un peu partout, la presse mondiale. Les gens disent que voilà, il a 39 ans, mais il continue toujours à jouer. Il est en train de grandir, mais il a la discipline côté sa voix. C'est ça. Il garde sa voix. Et les gens viennent vous dire que oh non, dynastie est simbité. Non. C'est le meilleur projet à carrière à faire. Ah bon? Oui. Ok. Comment? Album, mais en fait, dans ma chanson, non clippé, comme on dit, audio. Album audio. Mais voilà comment ça a impacté. C'est ça. Un album audio. C'est ça. Mais ça a impacté. C'est ça. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Et puis, Ferré, oh, il y a 3 ans passés. Dans Ferré actuel, tu as la différence. Il y a une grande différence, vraiment. Tu verras qu'il est beaucoup plus sollicité. Des contrats, il est dans les business, dans les affaires. Et son image est devenue un peu complète. Donc, ça attire. Ferré est devenu une autre personne. Parce que c'est son temps. Et puis là, il est temps d'investir sur la tranquillité, sur sa voix, sur sa musique, il est concentré. Exactement. Et puis quand tu vois quand les gens viennent toujours te critiquer comme ça, te rabaisser, cela prouve que tu es fort. C'est ça. La force de Ferré réside dans sa tranquillité. Okay. Les gens viennent toujours dire ah ça les loroté. Même quand il fait des grandes choses, les gens ignorent. C'est là où ça prouve que ce monsieur a une étoile. Okay. Ces messieurs-là Azan a succès. Okay. Parce que Michel a succès, c'est pas la réalité. Tout ce que Ferré doit faire, Azan a pas de problème. Les mâles, c'est quoi? Les clubs des chroniqueurs malhonnêtes, corrompus, faciles à manipuler. Bateau, babi, c'est image à presse. Okay. Soi-disant, bah, aîné, soi-disant, bah, grand. C'est malheureux. Alors, c'est malheureux, Jérémy Lemba. Revenons maintenant sur le fond du concert de cet artiste, Lucien Fali. Là, vous avez parlé. Concert, c'est Beta Magui déjà. Oui, le concert a été joué, mais Moutouna Moutouazo, il y a que Beta Lissonango, puisque tout le monde peut manier que ça est sous vanté Lissou dans le village. Le prouasse de Fali, pourquoi pour Naye, Isaki, concert, moi, que connaître, récit total. Aucun musicien ne peut faire ce que Fali pour parler. Alors, musique, oh, il y a Beta Magui. Vous aussi, vous avez suivi la musique. Est-ce que la qualité y était? Est-ce que ça arrive? Non, je ne vais pas juger ce qu'il a fait. Mais on a vu, c'était un concert normal. Okay. D'ailleurs, il a appelé les Bendo, Sampaio, qu'on appelle Montana, qu'on appelle communément chez nous, produit fini. Okay. Alors, leurs apports? Vieux, on a un podium, on a joué dans le master, on a un petit frère, on a fallu. Mais est-ce que tu as leur performance? Nul. Ok. Mais si c'était Ferré, ils allaient dire les sangaba locaux, bah produit fini. C'est là où moi je suis vraiment fâché la presse à Congo. Ok. Ferré a aimé la dynastie, n'avait Malange. Malange qui est vieux, qui n'a plus de succès, mais au moins qui a sa belle voix et qui connaît chanter. Moni ba mikolo, tant qu'on a mikolo, faut taper critère. Exactement. Mikolo le roi avait malange. Tala nenga yemba na ouragan. Comme un jeune de 23 ans. Et puis cette voix, il la garde jusqu'aujourd'hui. Hein, malange, même si il y avait. Je te dis ceci, non? C'est ce que j'ai dit. Ok. Quand Ferré créait quoi, la dynastie là. Ok. A sali recours, na ba vieux, à mélanger na ba jeune, na ba master. Mais tala vie au Ferré qui na ozo. A qui sont malange de Mingongo, ceux qui Mingongo. De Lugendo. De Lulendo. De Lugendo. De Lulendo. Ok, alors. Malange de Lugendo. Qui fut un petit. Je dirais la pépite. L'orchestre Ok Jazz. Ok Jazz. À l'époque, avec les grands maîtres franco. Voilà. Père en moto Bosanae. Mais tel un n'est pas Yemba. Il y aura ce qu'on dit, voilà, ouragan. Un chef-d'œuvre. Ok. Voilà, ça les sélectionne dans Mikolo, Oyo, Bayemba, on a sauté, leur voix coûte tout, Bosana, et puis, Baza sous-soupéra, Batravara peut sauté, mais seulement pour vouloir copier l'image de Ferré. À copier ça la dynastie, Naï. Pour ce Bayemba qui est dans le studio, il y a la dynastie bis. Ok.
mais vous êtes à concert. Ok. Mais bah vu bah yembi na bango, bah yemba ndeka la paix ma. On dit viens en Islande, oh ya outa papa yemba, viens en Ghana, viens en Ghana, Ben de Son. Ça on est bien mission. Ok. Viens en Ghana Ben de Son, paix ma. Paix ma travailler kala. Ok. Mais à jour opportunité, abe tata na Lyon, na Arena. Et ça l'est bien. Ok. Ma pessie, bah, on a quand même visibilité. Mais visibilité, où est-ce qu'elle m'a profité? J'ai seulement aimé le morceau avec Soso Pembe René Lokwa. Ok. Moi qui folklore, on a. 207. Ils ont bien aimé. Pessie, m'a bien, il fallait bien un des petits Fali. Ah. Ok. Et là, on a bien, on a 207, on a Fali. Fali déjà. Moi, on peut avoir un peu bien. Mais petit Fali maîtrise les mots. Ok. Il maîtrise l'air rythmique. Voilà. Ok, ok. Ce qui est petit, il fallait ça qui remixe, on est à 207. Là, René Lowe, quoi. Okay. Et ils ont pleuré, nous sous. Ah. C'est déjà une chanson qui existe. Ils ont un remix. Kumba biso, kumba. Donc, nous avons un bête, nous avons un kala, nous avons un tongue bête. Nous avons un matanga, et bête, nous avons un bélélis. Si quoi, René, leader, a eu un salangolo Lowe à Sika. A remixé. A remixé, il fallait à côté. Mais. Vous avez appelé ça en pleurs. Il fallait à Sali en justement pourquoi parce que déjà, mais ça n'a pas encore. Il s'est habitué à ma tête. Il a eu un peu que. Il est au cas où il y a Bétara. Mais il y a un vacuum. Ok. Sur la bête qu'on a petit Fali. Ok. Parce que petit Fali maîtrise les rythmes où on a Bamongo. Ok. Et puis on a Bina propre et puis on a Zoloba. Zoloba, on a enchaîné. Mais il a fallu s'imbéter. Tu es dans un peu de temps. Il y a un vacuum moins élevé. Alors, Jérémy Lomba en avance avec deux questions. Nous avons aussi vu la sortie médiatique, il y a ça et ça. Et c'est toujours dans les plateaux d'Adi Dondolé et c'est marketable que les histoires sortent. Beaucoup de gens, Bazo de Canabé Mission, aujourd'hui, tant que Bébé Daro Salama, c'est toujours dans ces plateaux-là. Alors, ce que moi je regrette un peu plus, Ezalara, la manière dont les journalistes et Bazako Tikaka ont invité la Bango, Koloba Makamsous, dont Bango a eu la vérité, mais ils n'arrivent pas à recadrer leurs invités. Alors aujourd'hui, ça, il s'est dit qu'il y a Azarana penchant, il y a Azarana naître, il y a Azarana penchant. Penchant, il y a fallu, c'est clair, parce que faire n'est pas Azarana naître. Pourquoi faire Azarana naître? Pour faire, est-ce que boire déjà Vital Caméré? Moi, c'est Vital Caméré. Est-ce que boire Moi, c'est Fayoulou. Fayoulou, est-ce que boire Aboire, moi, c'est y a Katou Michapoué. Donc, pour n'ayez. Azan est traité. Bon, Fiston Saï, c'est un humoriste, c'est un comédien. Ok. Dans la zone, on a anglais, moi, un comédien. Ah, Jérémy Lumba. Mais parce que, comparaison à ce ça, qui est fait, Azan est traité à Yemara, moi, ça, il y a présent Fatih, Yemara, moi, c'est à présent Fayoulouté. Mais est-ce qu'il est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire? C'est ça. Maman Denise, elle est la première dame. C'est ça. Sauf que, moi, si, il y a ex, plutôt, il y a politicien X, Y, Ali Bayemba, Yemara, Bango déjà. C'est ça. Parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu. Et puis l'impoli, ça c'est l'impolitesse. Hein? Ça, mais. Bon, je suis cool. Je suis un peu de banalité. Warrior, Gaulois. Autant que ça Katumbi, moi ça Fayoulou, je suis un camarade. C'est ça. Vous avez un. Donc, les médias sont un peu de temps. Un problème. Est-ce qu'en tant qu'un artiste, lui. Ce n'est pas un exemple qu'il pouvait donner. Ça n'a pas de sens. En tant que on lui a reproché tant que leader. Parce que la tête n'est pas un leader. Toi, on a ça, il se donne un sobé. Okay. Il n'est pas un leader. Nous, on a si là, on a belle vie. Exactement. Chico, yo, na niveau, na yen, na ron, na yen, il peut faire valoir les prouesses de Fali. Okay. C'est la démocratie. Exactement. Mais il n'a pas le droit de venir dénigrer Ferré. C'est ça. Tout le monde. Parce que Ferré a consulté Rayete. Ok. Ferré ne calcule même pas Fiston Saïssé. Parler de Fali, c'est bon, mais ne venez pas toujours dénigrer Ferré. Okay. Ferré est un grand leader. Citez-moi un pays au monde où on connaît Fali, où on ne connaît pas Ferré. Exactement. Exactement. Ils sont tous connus partout. Quand on parle de Ferré, on parle de Fali. Soit qu'il y a Abidjan, on te dit Fali. Ok, mais quoi, Moussou Babi, soit Ferré. Soit qu'il y a Zambie, Fali. On te dira aussi Ferré. Ce sont des gens qui se sont battus, bah, travaillé dur pour garder leur notoriété. Okay. Bah, ils ont mérité leur respect. Okay.
parler de Fally n'est pas un péché. L'ignorer, c'est tout un problème. Exactement. Mais ce qu'on voit, on dénigre à faire. Faire, on a besoin de dénigrer Banda, Banda, on dénigre Ferran, on tire l'eau. Il est en train d'avancer seulement. Il est en train d'avancer. Les gens ont voulu mettre un point final à sa carrière. Mais ça a échoué. Donc, tout ce qui a saison ferrée, a profité, a bénéficié. Il paraît aussi, il a une grosse date à nous donner pour 2025. Et espérons que vous allez concert Moroso sous grandiose ou grandiose. Et au pour que ça puisse bien. Voilà, Jean-Mille, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais tout le monde qui retourne à ma mission à faire rigoler, à Zoraki, alors, et tout le monde qui est à Batou, depuis dire Kimaki, après, au ça la vidéo, enfin, cet artiste nous est revenu ici à Kinshasa. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu as la QBS? Non, je ne suis pas dans leur stratégie, okay. Je ne connais pas les bureaux de Ferré. Mm-hmm. On a vu un animateur qui était resté. Après, il a annoncé qu'il sera à Kinshasa, il est venu. Ok. Donc, c'est toujours comme ça. Mm-hmm. Et il est quand même reconnaissant. Ok. Faire façonner. Il fait un DJ ici. Ah. Il a un DJ. Ok. Depuis, il y a un DJ. Moi, je le vois, il m'a tongé partout, où il rit. Mais le Lofer a commissé international. Ok. Parmi les animateurs qu'on cite aujourd'hui dans la musique à Congo, Dupidif en fait partie. Donc, je crois que, à qui États-Unis, à Kimité, bon, à Kimaran à Paris. À Moni Paris, il est revenu, donc voilà. Alors, merci beaucoup. Bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. Voilà, bonne chance pour la suite de sa carrière. Jérémy Lemba, on va boucler cette émission, mais ça commence un peu à léser certaines personnes. La guerre, il y a Céleo Scram, Naïriti Watanabe. Ça, je ne maîtrise pas. Et comme tu as ma vie privée, alors est-ce qu'il y a le lot? On a besoin de la guerre et de toucher ma vie privée où chacun des musiciens doit montrer sa capacité sur le plan musical. Justement, le débat, c'est la famille. Wenge sa famille, en fait, à l'ensemble, beaucoup de polémiques, distraction inutile. Ok. Obtenir un bon esprit à faire, Rena Kabila. Rester silence, mais travailler dur. Alors eh oui, ce serait important. Ou tu as un concert qui doit livrer au niveau de la scène musicale parisienne. Et je lui souhaite toutes les bonnes chances du monde. Okay. Héritier Ouata, Goga, La Poulga, je pense que tu as intérêt de faire un très bon concert parce que l'Olympia de l'autre fois a été perturbé par la méchanceté des Congolais, de la diaspora, les combattants. Cette fois-ci, aux yeux d'occasion, il faut travailler. Être concentré, soyez serein. Alors maximiser le travail, je crois que ça serait une très bonne chose. Ma distraction, c'est Léo, avec des fans et les autres. C'est le hasard grand frère, Azan Niko. Et Bobongisa. Donc voilà, je alors, crois qu'il n'a pas intérêt à la guerre. Bobongisa, j'ai bien pu en appeler à la couture, un peu plateau, Bobongisi. Mais les gens, quand on laisse, j'ai bien eu un problème. Parce que les gens le mettaient toujours en problème. Tout le monde, même, on dit le Manzara, le lobby, ceux qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Alors, est-ce que le lobby, quand on est en train de se faire, ils sont en train de se faire, ils je ne suis pas. Maman, tout le monde a eu un prophète, c'était. Ah, hein. Et de pas la volonté de la choix de la bango. Ah! On a habité. Moi, la musique, c'est un monde de spiritualité. Ok. Donc, on se mettre ensemble, peut-être dans mon cola. Le temps viendra. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire à la fin? Merci à Mimi Ndoumé, Namouching là-bas. Mimi Ndoumé, merci. Les célèbres Dien Zundu de Washington. Merci encore une fois, Naël Zombala de Madrid. Je pense à Sema Maya, si femme légitime, agence Maya, si force à Italia. Mbote Mingina. Président Pedro Moutou, leader à jeunesse, à association Main dans la Main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France. Je remercie encore une fois les Moutou Foumouzing, Jean-Claude Chef Koutimène à Paris. Donc merci à Piccadilly, ces beaux cadres qui nous accueillent tous les jours. L'espace est Piccadilly, donc tout ça de cœur Nabino. Entre temps, Bananzambe. L'église Vie Nouvelle organise 30 jours de fortes prières et de miracles. L'église Vie Nouvelle, ici à Kinshasa, organise 30 jours de fortes prières et de miracles. Avec le révérend pasteur Cyril Ntikou. Le révérend pasteur Cyril Ntikou. Ntikou, donc je crois que nous sommes de cœur avec vous. Et puis, à vous inviter, le révérend pasteur Gaston Lundu.
le père spirituel. Gaston Lund, donc, un papa expérimenté dans la parole de Dieu. Tu as partagé, bah, tu en as 30 jours. Tu as la vacance, tu as la route, tu as la kin. C'est tellement facile. Tu as le quartier Lodja, la commune Kasavubu, l'avenue Dibaya, numéro 35. Bon, mon église, vie nouvelle, les Awana. Donc, Dibaya, numéro 35, dans le quartier Lodja, la commune Kasavubu. Donc, bon, du 1er juillet au 4 août 2024, venez nombreux, car la grâce de Dieu sera au rendez-vous. Merci beaucoup, révérend Cyril Sikou. On est ensemble. Voilà, merci beaucoup, Jérôme.